C'est lourd ça quand même. Ceci est un accessoire pour PC que je voulais absolument tester au moins une fois sur ma chaîne parce que je ne sais pas si ce genre de truc peut me plaire, bien que j'aime la course, les courses de voitures, j'aime bien ce genre de jeu et du coup j'ai toujours voulu tester ces volants, voir si ça fait vraiment quelque chose en plus par rapport à la manette ou non. Bon, je me doute bien que oui, mais est-ce que vraiment ça peut me plaire? C'est ce que je voulais savoir. Je me suis aussi procuré le Pomo qui va arriver d'ici 2 jours, donc j'en ferai une vidéo unboxing juste après. En tout cas, on va commencer par ce volant avec les pédaliers. Alors, vite fait un petit tour du packaging. Donc c'est le modèle 920 qui est compatible PC et Xbox. Donc on a l'aspect du volant avec les pédaliers. Je sais que la version PS4 a plus de boutons, pourquoi je ne sais pas. On a le G920 juste ici, pareil au-dessus. Juste derrière, nous avons quelques caractéristiques. Volant et pédalier de course, cuir véritable, commande de jeu sur le volant, construction de qualité, retour de force à 2 moteurs, montage sécurisé et pédale de frein non linéaire, compatible avec le levier de vitesse manuel à 6 vitesses optionnel. Dommage que ça soit optionnel. Mais écoutez, on va voir ça, hein. Sur le côté, on a le volant ici et le pédale il y a, hein, et rien en dessous. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'unboxer. C'est parti, tac. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? On a le plus important, une notice. 2 notices. Oh là là, la folie. Non, c'est pas des notices, c'est des bouts de papier de merde. On s'en fout totalement. Par quoi on va commencer? On va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire les câbles. Voilà, un câble. Alors ça, c'est le câble du pédalier. Je vais éviter de tirer dessus. Alors ça, c'est quoi? C'est le câble d'alimentation avec le secteur. Donc, il sera branché, bien entendu, sur une prise électrique. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous, là? Attends, il se fout de la gueule du monde. Non mais franchement, est-ce qu'il n'y avait pas de la place pour mettre le pommeau de vitesse? Ils abusent. Juste ici, nous avons... Ouf. On va commencer par ça. Nous avons le pédalier, juste là. Tac. Avec un socle en plastique. Alors c'est du plastique dur, qui a l'air assez costaud. Une petite bande striée ici, mais en plastique. Et des pédales, par contre, en métal. Putain, ça c'est le frein. Oh, c'est dur, c'est pas mal. On a normalement ici, si je dis pas de bêtises, l'accélérateur. Et enfin, normalement à gauche, oui, ça fait longtemps que j'ai pas conduit, c'est l'embrayage. C'est une belle pièce de métal, hein, pas mal, avec des bouts de plastique. On a une pièce en métal juste ici. Après, c'est du plastique. Et le reste, voilà, il n'y a pas grand-chose. On a des patins antidérapants juste ici. Et on a ce truc-là, c'est quoi? Ah, c'est peut-être pour les tapis, si jamais on en a. Donc ça accroche. Donc c'est pas trop mal. Moi, j'ai pas de tapis. Ok, on va le mettre de côté sur le petit coussin. Et on va passer... Tu te calmes. On va passer au plus intéressant, c'est-à-dire le volant qui est juste là. Qui pèse son poids aussi. Et voici donc le volant avec un petit bout de plastique ici que l'on va enlever. Alors, ce volant, le socle... Oula. Ça tourne comme ça aussi. On peut le faire tourner comme ça. Donc, on a... Oh, c'est sympa le design. Putain, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait un peu l'avant d'une voiture. Ce qui est plutôt cool. Alors c'est du plastique là aussi ultra dur. Ça a l'air d'être du plastique de qualité quand même. Ça sonne pas trop creux. Ça va. Donc on a les pinces ici pour serrer la table. C'est les seules pinces que l'on a d'ailleurs. On a le câble USB pour pouvoir le brancher sur le PC. Voilà. On a de quoi passer les câbles juste ici. Ça c'est pas mal. On a du coup le volant. Qui avec du cuir, alors du cuir véritable, je ne sais pas. En tout cas, il a un bel aspect. Le revêtement est pas trop mal. Ça fait, ouais, ça fait cuir avec des coutures juste tout le long là, qui rend plutôt pas trop mal. Les finitions ont l'air d'être pas mal du tout, bien que je vois là, c'est pas, c'est pas trop mal, mais il y a quelques petits défauts au niveau des coutures, voilà, qui ressortent. Donc bon, rien de grave, à voir à l'usure ce que ça donne. Avec les boutons ici, des boutons somme toute classiques et pas très nombreux par rapport à la version PS4, je sais pas pourquoi il y en a moins. Et voilà, avec la petite languette juste ici, grise, ouais, c'est un design assez sympa. Alors c'est le premier volant que je teste, donc je ne sais pas aussi s'il est bien par rapport à la concurrence, comme c'est le premier. Bah voilà, je n'ai pas de valeur étalon, enfin ça va être, on va dire, ma valeur étalon. Le premier volant que je teste, j'espère que je pourrai en tester d'autres sur la chaîne. J'espère vraiment beaucoup parce que c'est ce genre de produit qui m'intéresse de tester. Alors là, c'est quoi? On a du plastique. Ici, c'est une petite plaque
en métal, mais assez fine, hein. C'est vraiment, je pense, pour la déco, pour donner un style. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, et puis bah, je vous referai des plans, et je vous parlerai de ce volant, de ce que j'en ai pensé au bout de 2 semaines, 1 mois, je ne sais pas combien de temps je vais le garder. Si je le renvoie, je vous dirai pourquoi, si je le garde, je vous dirai pourquoi aussi. Et on se retrouve du coup juste après. Ah bah dis donc, regardez ce qui est arrivé. Oh, c'est incroyable. Le levier de vitesse. Eh bah dis donc, il est arrivé vite quand même. Non, j'ai pas fait de coupe dans la vidéo, non, c'est pas vrai. C'est pas du montage, pas du tout. Arrêtez de dire des conneries. Menteur. Allez, c'est parti, on va déballer ça rapidement. Parce que je vous avoue que ça fait déjà 2 jours que je teste le volant. Et je kiffe, c'est vraiment trop fun. Ah, et voilà donc le levier de vitesse de chez Logitech, c'est le Driving Force Shifter, donc qui est un levier de vitesse à 6 vitesses plus marche arrière. Donc je suis pressé de tester ça avec le volant, je pense que ça va être encore plus fun. Oh là là, tellement de fun. Oh, c'est terrible. Allez. Oh, j'ai pas fait un petit tour du packaging. Donc le packaging, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un visuel du levier de vitesse juste ici. Son nom et la marque Logitech, des trucs décrits pas très intéressants ici, un autre visuel là, derrière des trucs écrits pas très intéressants, et du coup on va passer à l'unboxing. Ouais, je suis un peu pressé, d'accord? Alors, on ouvre ça comme dans un Kinder Surprise, et on tombe sur le levier de vitesse qui est juste là, et enfin une notice pour vous dire, hey, c'est collé, et bah, ça se branche comme ceci. Voilà, mais ça, je pense que ça ira. On va déballer ça rapidement, et on va remettre le papier. Voilà. Allez, je t'ai eu. Enlever le petit plastique qui est juste là. Alors, le levier de vitesse, j'allais dire le volant. Non, levier de vitesse. Donc, il est fait dans un plastique ultra dur aussi. Donc, c'est le même plastique que le volant. Mais c'est du plastique, voilà, costaud. On n'a pas trop peur de le casser ou quoi que ce soit, donc ça c'est bien. Même, je ne l'ai pas fait avec le volant, mais quand on appuie dessus, qu'on essaie de le tordre, eh bien, ça flanche pas, et ça c'est bien. On a du cuir ici, alors c'est du faux cuir, hein, tout comme là, je pense. Et on a deux pas de vis ici pour pouvoir serrer, plus une là, et enfin le câble. On a une petite plaque en plastique ici, ça ratait bien en métal. Et voilà, pas grand chose à dire. Est-ce qu'au niveau des vitesses... Alors, ok, on a la vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, pour la marche arrière... Oula, putain. Alors, ça, c'est le point mort. Il faut appuyer. Et voilà, c'est la marche arrière. Ok. Je pense qu'il y aura un petit coup à prendre pour bien le maîtriser. Allez, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher au volant et puis on va tester ça tout de suite. Alors, pour paramétrer le volant et bien installer les drivers afin que tous les jeux puissent détecter le volant, vous aurez le logiciel Jub, bien entendu. Ici, il est branché, donc j'ai cliqué dessus. Donc, on a accès à tout un paramétrage au niveau des boutons. On peut même mettre des macros, des touches système, action, etc. Donc, comme si c'était un clavier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez personnaliser à fond, vous avez la possibilité de gérer la sensibilité du volant, la puissance du centrage du rebond, donc ça c'est le retour de force, et la plage de fonctionnement, vous pouvez la réduire par exemple si vous avez besoin de moins tourner le volant. Donc voilà, vous pouvez tout faire à votre convenance, et vous pouvez aussi gérer la sensibilité des pédales, donc la diminuer ou l'augmenter, et vous avez aussi la possibilité de combiner les deux pédales. Alors là, je vous avoue que j'ai pas trouvé l'utilité là-dessus, ce qui fait que lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, en fait, le curseur est au milieu et va aller vers le haut, et si vous freinez, en fait, ça va descendre le curseur, et du coup, vers le bas, pareil, toujours en partant du milieu, alors que, voilà, si on fait de cette manière-là sans combiner, ça part tout en bas. Quel est l'intérêt? Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Ça peut peut-être servir sur d'autres types de jeux. Je ne sais pas lesquels. Mais voilà, si vous avez la réponse, je la veux bien en commentaire. Alors, après un bon mois d'utilisation, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré ce volant. Même si je l'ai renvoyé, je vais vous dire pourquoi. Alors, première chose, c'est que en termes de finition, il y avait quelques petits soucis au niveau des coutures sur le volant. Mais en un mois, ça ne s'est pas dégradé. Donc, à voir d'ici 5, 6, 7 mois... Malheureusement, je n'aurais pas assez de recul là-dessus. Le retour de force était très bien. Il était assez costaud. Ça muscle un petit peu les bras. Et ça marchait extrêmement bien. C'était très réactif. Là, j'ai pas eu de soucis non plus là-dessus. Le volant tenait très bien au niveau de la table. Là aussi, pas de soucis là-dessus. Au niveau du pédalier, faut faire très attention à avoir un sol propre. Si vous avez un peu de poussière, ça va s'accrocher sur les patins. Et ça va glisser.
Donc faites attention d'avoir un sol très propre. Même s'il est très propre, ça peut peut-être un tout petit peu glisser si on appuie à fond sur le frein. Pourquoi ? Parce que le frein est très réaliste. Là pour le coup, c'est top. C'est comme sur une vraie voiture. C'est beaucoup plus dur que sur la pédale d'accélération ou d'embrayage. D'ailleurs, les deux sont très bien aussi. Mais voilà, si on veut freiner vraiment très très fort, il faut appuyer très très fort sur la pédale de frein. Et comme elle est beaucoup plus dure, eh bien, il faut vraiment appuyer comme une brute. Ce qui fait que bah, ça peut légèrement glisser sur le sol, même si on a la présence de patins antidérapants, encore une fois. Il faut savoir doser avec cette pédale de frein. Au niveau de la boîte de vitesse, là aussi, j'ai adoré l'utiliser suivant les jeux. Il faut savoir que sur Wreckfest, c'est un jeu qui s'est prêté extrêmement bien et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Pour la F1, donc avec F1 2020, je n'ai pas utilisé le pommeau de vitesse parce que je trouvais que les palettes se prêtaient beaucoup mieux. Là, c'est à vous de voir à quel jeu vous voulez jouer avec ce volant. Si vous jouez à F1 2020 et que à ça, peut-être que l'achat du pommeau de vitesse ne sera pas utile. Si vous jouez à des jeux comme Wreckfest ou Mud Runner ou par exemple Euro Truck Simulator, où là, le pommeau de vitesse peut être intéressant, pourquoi pas envisager l'achat. Petit reproche à la boîte de vitesse, c'est que au niveau des passages de vitesse, eh bien, il manque une certaine résistance. Je compare à une vraie voiture où lorsqu'on passe une vitesse, on le sent qu'on passe une vitesse, on sent qu'il y a une résistance qui n'est pas le cas ici. Alors, si on y va très lentement, on sent le passage de vitesse, mais si on est dans le feu de l'action et qu'on passe les vitesses à toute vitesse, hein, c'est pas fait exprès de ma part pour le jeu de mots, eh bien, on ne sent pas ce passage de vitesse, ce qui fait que parfois, je me suis retrouvé à penser que j'avais passé la vitesse, ce qui n'était pas le cas, ou alors à me demander est-ce que j'avais bien passé la vitesse ou non. Donc voilà, une résistance supérieure pour effectivement se dire j'ai bien enclenché la vitesse ou je ne l'ai pas enclenché, ça aurait été pas plus mal. Comme je vous ai dit, en termes de finition, il peut y avoir quelques petits légers soucis, notamment les coutures au niveau du volant. Après un mois d'utilisation, ça ne s'est pas défait, mais bon, je n'ai qu'un mois d'utilisation, j'ai pas de recul sur 5, 6, 7, 8 mois ou voire plus, donc attention là-dessus quand même. Là aussi, ça peut être problématique, c'est la petite plaque en plastique au-dessus du pommeau de vitesse. Donc, à voir si ça peut ne pas se décrocher au fil du temps. Pareil, je n'ai qu'un mois, donc ça n'a pas beaucoup bougé. Mais qu'est-ce qu'il en est après 7, 8, 9, 10 mois d'utilisation intensive? Là, pour le coup, je ne pourrais pas vous dire. Pour le pommeau de vitesse, j'y reviens rapidement, mais il s'accrochait très bien au bureau. Une fois qu'il est fixé, ça ne bouge plus. Et là, vous vous dites, bah, du coup, pourquoi l'ai-je renvoyé si j'ai apprécié le volant, si j'ai trouvé qualitatif, si le retour de force, voilà, il était très bien, très réactif, très costaud, le pommeau de vitesse était agréable, si au niveau du pédalier, ça allait, etc., etc. Et bien, pour une raison toute simple, c'est que j'ai un bureau qui n'est absolument pas fait pour accueillir ce volant et la boîte de vitesse. Pourquoi ? Mon bureau n'est absolument pas fixé sur ses pieds ni au mur, ce qui fait que au moindre mouvement brusque sur le volant, et si jamais je par mégarde je tire ou je pousse le volant, en fait c'est tout simple, la planche de bois qui me sert de bureau vient avec le volant, ce qui fait que bah, ça peut être extrêmement dangereux pour mon bureau, vraiment catastrophique, c'est extrêmement pénible, et j'avais à la fin peur de casser, mais de faire tomber tout simplement mon bureau avec mon PC et mon écran dessus. Je vous avoue que par moments j'ai vraiment flippé. Je sais qu'il y a des simulations de conduite qui sont beaucoup moins nerveuses, plus calmes comme Euro Truck Simulator ou Mud Runner, mais ce ne sont pas des jeux auxquels je joue. Moi, je joue à des jeux de F1 2020, Forza, Wreckfest, etc., etc., qui sont tous des jeux nerveux parce que c'est ce que je préfère comme style de jeu de course. Et c'est un peu compliqué avec le bureau. Il faut savoir aussi que l'environnement, en fait, est assez important parce que au début, comme un débile, bah, j'ai joué avec mon siège avec les roulettes, et il se trouve que si on appuie sur la pédale de frein, on recule avec le siège, quoi, parce qu'il n'est pas fixe, il la grippe pas au sol, il roule, donc très rapidement je me suis dit ouais, il y a un petit souci. Et malheureusement j'ai pas de siège adapté à mon bureau, voilà, il est un peu trop élevé pour les autres sièges que j'ai, donc c'était un poil compliqué, ce qui fait que j'étais pas vraiment dans les meilleures conditions quand j'utilisais ce volant avec la boîte de vitesse. Voilà, donc c'est un peu dommage. Après, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Voilà, j'espère que j'aurai été clair et concis.
Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est mon premier volant. C'est le premier volant que je teste. Donc je n'ai pas de valeur référence, que ce soit en termes de prix ou de qualité ou quoi que ce soit. Donc je sais que y a des volants Thrustmaster qui sont vraiment beaucoup recommandés en termes de volants qui sont, on va dire, de ce que je vois dans les commentaires ou dans les avis, beaucoup plus qualitatifs que le volant Logitech. Mais malheureusement, je n'en ai pas testé. Donc voilà, je ne peux pas vous dire vraiment si 200€ ça vaut le coup pour un volant Logitech G920 avec le pédalier, et est-ce que ça vaut le coup d'investir 40 à 50€ de plus dans la boîte de vitesse, parce que je n'ai pas de comparaison à côté. J'espère que vous le comprendrez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Et pour ceux qui me diraient en commentaire, est-ce que du coup le volant il vaut le coup, ma... J'en sais rien.